شكرا. Salut tout le monde! Je vais faire une paire de vidéos là en ce moment si j'ai un peu de temps devant moi. Donc si vous me voyez toujours avec la même coiffure et toujours avec le même t-shirt, c'est tout à fait normal, c'est le même jour. Pas pour moi. Donc j'ai reçu aujourd'hui le cadeau que j'ai gagné en faisant le concours de Nani 164. Donc c'était un colis, c'était un kit. Un kit de chez ELF. Donc, je vous montre le kit vide, hein, parce que j'ai tous les produits qui sont là. Donc j'avais reçu. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai reçu ça dans une grande boîte en carton. Donc le colis se nageait dedans. Mais bon, il n'y a eu aucune casse, je suis contente. Donc j'ai reçu ça, donc le kit, et une petite lettre me disant: voici le kit Everyday Eyes de la marque Eye Sleep Face. Logique, que vous avez gagné dans le cadre de votre participation au concours sur YouTube via la chaîne de Nanis. Voilà, blablabla. Victoire, merci Victoire. Donc dans ce kit Everyday Eyes, qui est pas mal du tout, moi je trouve, j'étais un petit peu sceptique, je dois dire, quand j'ai vu les produits, je me suis dit c'est peut-être des produits que je ne me servirais pas. Eh ben non, pas du tout. Je crois que je vais pratiquement tous me servir. Il y avait, je vais pas vous remontrer, hein, tout était installé dedans. Il y avait deux petits embouts mousse qui me servent moi toujours, parce que quand je fais des petits dégâts avec mon mascara, c'est ça que je prends à chaque fois pour retirer, et pour mettre ma touche lumière pour que ce soit plus intense. Donc moi je me sers toujours des embouts mousse. Un petit taille crayon marqué ELF qui me servira forcément. Avec crayon, on s'en sert toujours. Il y avait, alors ça, par contre, ça, je crois que je ne m'en servirai pas parce que, pourquoi? Pas parce que c'est pas un bon produit, parce que je ne sais pas m'en servir. Des fossiles. Donc, des fossiles avec, hop, derrière, le petit tube de colle. Je me suis déjà battue, pas avec ceux-là, avec des autres, pendant de très longues minutes à essayer de mettre ça. Je n'y suis jamais arrivée. Je crois que je vais réessayer, bien sûr. Je ne vais pas perdre espoir. J'y arriverai un jour. Il y avait aussi, alors ceci, c'est, on va lire hein, pour être sûr de ne pas dire de bêtises. C'est en anglais par contre. Toutes les explications sont en anglais. C'est un peu dommage, mais bon, je sais lire l'anglais. Je sais que tout le monde ne sait pas, mais bon, moi j'y arrive. Ok, arrête. Donc, Wet Gloss Lash and Brow Clear Mascara. Donc, c'est un mascara transparent. Et de l'autre côté, vous avez quelque chose pour structurer vos sourcils. Tout simplement. Transparent. Pour les sourcils, je l'ai testé, ça marche pas mal. Ça les met bien en place, c'est pas mal. Le transparent, je ne l'ai pas encore testé. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord testé celui que je vous montre tout de suite. Celui-ci, c'est un mascara dans les tons bruns. Vous avez d'un côté un mascara normal et de l'autre côté, un côté waterproof. Donc, ça, j'étais très sceptique. Je me suis dit, mon Dieu, un mascara ELF, je n'ai jamais testé, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va faire des paquets. On va voir, on essaye. Donc, j'ai testé le côté normal, le côté régulier. Donc, la brosse est comme ceci, c'est une brosse tout à fait normale. La couleur est brun foncé. Je l'ai mis aujourd'hui, j'en ai mis ce matin. Alors, je ne sais pas si on voit encore. Oui, on voit encore. Ça ne fait pas de paquet. L'application est très facile. Moi, j'en suis ravie. Et donc, vous avez le côté waterproof qui est exactement la même chose, mais qui est un produit waterproof qui est pas mal aussi. Alors, dans ce kit, il y avait aussi un double crayon. Un côté brun qui marque pas mal. Il marque vraiment bien. Et l'autre côté, un côté un peu plus clair. Donc je le mets à côté. Hop. Voilà. Il marque vraiment bien. Vraiment. Ils sont crémeux et ils marquent bien. Très chouette. Et deux eyeshadow duo. Un blanc et gris.
un bras clair et un bras foncé. Voilà, je suis vraiment ravie, parfait, un super cadeau que j'ai reçu, je suis vraiment contente. Donc merci encore Nanis de m'avoir choisi et de m'avoir choisi comme gagnante, je suis très contente. Et je suis vraiment très contente du cadeau, donc merci aussi à ELF, merci Victoire, merci beaucoup. Deuxième lot que j'ai reçu aujourd'hui, c'était pour la participation au concours de Ubilswan, qui est une américaine. J'avais fait son concours, c'était sur le thème des guerriers, des guerriers, des warriors. Et j'avais gagné elle aussi la première place. Donc ça, j'étais trop contente. Et là, je ne savais pas du tout ce que j'allais recevoir. C'était la surprise. Et très très bonne surprise. J'ai reçu le colis. Je vous montre tout de suite dans une enveloppe. Donc, on cache les adresses. Dans une enveloppe comme ceci. Alors, regardez. Elle avait fait, hop, une jolie fleur. Ça, c'est elle qui l'a fait. C'est trop mignon. Ça vient d'Arizona. Ouh, est-ce que vous vous rendez compte, j'ai reçu un colis d'Arizona. Ça, c'était géant, je suis trop contente. Et elle a quand même payé 6,48 $ de frais port. Thank you, Diana. Diana, I'm going to show all that you put on my package. Thank you. Voilà, donc voilà ce que j'ai reçu. Je suis trop contente, vraiment trop contente. J'ai reçu deux eyeshadow ELF. Alors ceux-là, ça tombe bien parce que c'est pas du tout les mêmes couleurs que j'ai déjà. Je les avais pas. Il y a celui-ci. Je vois pas les couleurs, c'est pas marqué. Donc c'est un violet. Un violet et un taupe mauve. Ça se dit ça. Okay. Et un crème, un blanc crème et un corail super joli. Alors il y avait aussi des petites limes à ongles, c'est trop mignon. Hop, des petites limes à ongles comme ça, vous voyez, c'est trop mignon, qui se détache, c'est so cute, j'adore, c'est trop mignon, c'est vraiment trop mignon. Et alors plein de gloss, plein de gloss, trois gloss comme ceci de chez ELF, tous comme ça. Hop, trois gloss. Alors il y a le Los Angeles, Pink Lemonade et New York City. Ils sont vraiment bien, je les avais pas non plus. Ils sont vraiment chouettes, la couleur est très jolie. Super. Deux comme ceci. Alors ça, pardon, ces quatre là étaient dans une petite pochette. C'était trop trop mignon. Alors ceux-là, ils sentent les fruits. Donc il y en a un qui sent raspberry banana. Je pense que raspberry, je crois que c'est framboise, je suis pas sûre à 100%. Et banana, c'est banane. Alors tangerine, pineapple. Tangerine, je ne sais pas. Je crois que c'est mandarine, mais je suis pas sûre à 100%. Et pineapple, ananas. Et alors deux baumes. Alors les baumes là, ils sont. Mais c'est une merveille. Delicious. I love it. Mangue, orange. Donc c'est des baumes, hein. C'est des baumes tout simples, mais ils sont super. Et pastèque fraise, oh, quel bonheur. Et alors il y avait aussi des gloss comme ceci de chez ELF aussi. Là il y en avait trois, mais j'en ai donné un à Nanou parce que je l'avais déjà. Donc j'en ai donné un à Nanou. Celui-ci c'est le Vixen et le Wawaoum. L'autre, je ne sais plus le nom, je l'ai là-bas, mais j'en avais trois. Donc j'ai eu tout ça dans le colis et vraiment ravie. Merci. C'est super géant, c'est super gentil. Donc voilà les deux colis que j'ai reçus aujourd'hui, donc je suis très contente. Ciao, à bientôt.